La scintigraphie cardiaque est un examen radiologique permettant d'étudier les artères coronaires et la vitalité du cœur. Elle aide à diagnostiquer un infarctus ou une diminution de l'apport sanguin dans une partie du cœur. Ce film a pour objectif de vous informer sur le déroulement de la scintigraphie cardiaque. Avant votre examen, vous recevrez des informations détaillées sur ses avantages et ses risques par l'équipe médicale. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai rendez-vous pour une scintigraphie cardiaque. Oui, dans ces étiquettes. Puis je merci. Vous par cette porte tout au fond, il y a des chaises, prenez place, j'appelle mon collègue. D'accord, merci voilà, beaucoup. Voilà, tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Voici la salle de test d'effort. Oui. Je vous demandais juste de vous allonger Très et bien. Puis de vous mettre torse nu. D'accord. On va avoir besoin de vous mettre des électrodes à la poitrine et puis ensuite on mettra une voie veineuse. Cet examen demande une préparation. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun, mais il ne faut pas boire de thé, de café ou de chocolat, ni manger de bananes, car ces substances perturbent la qualité de l'examen. Si vous suivez un traitement pour la tension artérielle, comme un bêta-bloquant par exemple, vous devez en discuter avec votre médecin et l'arrêter 48 heures avant l'examen. Donc cette partie va durer maximum 15 minutes. On ne va pas vous faire D'accord. pédaler bien longtemps. Ouais. Bonjour monsieur, je suis le docteur Nkoulou. Bonjour. Pour cet examen, on va vous faire un test d'effort. Oui. Et au maximum de l'effort, on va injecter un traceur qui va nous servir à faire des images plus tard. L'examen se déroule en trois parties. Un test d'effort, la réalisation d'une première série d'images montrant le cœur en situation de stress, puis une autre série d'images au repos. Est-ce que vous avez des douleurs dans des articulations ? Non, absolument pas. Non. Est-ce que vous faites d'habitude des efforts importants ? Oui, oui, je fais du vélo, de la marche, de la natation. Le test d'effort peut s'effectuer de deux façons différentes. Soit le patient pédale et fournit un effort important, soit le patient ne peut pas pédaler. Et dans ce cas, un médicament est utilisé pour mettre son cœur en état de stress. Les images sont réalisées environ 30 minutes après cette préparation. Ça va ? Très bien. C'est excellent. Maintenant, votre cœur... Il bat à sa fréquence presque maximale. On va vous injecter le traceur. Tenez encore pendant une minute. Durant le test d'effort, une faible dose d'un produit radioactif, le traceur, est injectée par la voie veineuse. Voilà. Le produit injecté circule dans le sang et va se fixer dans le cœur. Il permet ainsi de mettre en évidence l'alimentation du cœur en nutriments et en oxygène. Voilà, très bien. Maintenant, vous pouvez pédaler plus lentement. On va pouvoir arrêter le test d'effort. Excellent, vous pouvez vous arrêter complètement maintenant. Après l'injection, un délai d'attente de 30 minutes est nécessaire pour que le produit se fixe correctement. Pendant cette période, le patient peut disposer librement de son temps. Il est maintenant possible de boire du café, du thé ou du chocolat. En accord avec le médecin, les traitements interrompus avant l'examen peuvent être repris. Ici, la machine d'accord. pour faire les images. D'accord. Très bien. Ça va durer à peu près 20 minutes. Je vous laisse vous allonger oui. sur le dos. Voilà. L'examen est réalisé en position couchée sur le lit de la gamma caméra. Il est important de rester immobile pendant que le détecteur se déplace en tournant autour de vous pendant environ 20 à 30 minutes. Pendant l'examen, une gamma caméra détecte le rayonnement émis par le produit injecté. Cela permet de prendre une image de votre cœur. Voilà, monsieur. C'est terminé. Je vais pouvoir vous libérer. Super. Merci beaucoup. Après la réalisation de ces premières images, une autre injection du traceur est effectuée pour la série d'images du cœur au repos. Donc je vous injecte le produit qui est le même que tout à l'heure. On fera les images dans une heure. Hein. Vous pouvez disposer librement de votre temps en attendant. D'accord, merci beaucoup. Après la seconde injection, vous devez attendre environ une heure avant que le technicien en radiologie médicale puisse faire de nouvelles images de votre cœur au repos. Ça va pour vous comme Je ça Je suis très bien installé. Ouais, alors oui. on y va, c'est parti. En comparant ces clichés avec la première série, prise après l'effort, le médecin pourra évaluer le fonctionnement du cœur. Voilà, monsieur, on a terminé. Je vais vous aider à vous asseoir. Peut-être lever un peu la jambe. Donnez-moi la main. En général, il n'y a aucune précaution particulière à prendre après l'examen. Alors, on va passer à notre quatrième patient. Il est un patient de 55 ans. La scintigraphie cardiaque est un examen totalement indolore.
la Gamma Caméra n'est pas bruyante. En prenant en compte ces trois étapes, test d'effort, image de stress puis de repos, l'examen dure environ 3 à 4 heures. Alors pour lui, on diagnostiquerait une ischémie importante. Les images sont interprétées par le cardiologue et le médecin nucléariste. Leur rapport est envoyé dans les plus brefs délais au médecin prescripteur de l'examen. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'équipe médico-soignante concernant cet examen.